Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Yeah.
Adoration et l'on a mis son adoration. Mikota nakati esprit adoration. Entre dans cet esprit d'adoration. Hallelujah, Hosanna, 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 Hosanna
Alleluia, Hosanna Yahweh, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hosanna, Alleluia, Hosanna Yahweh, Alleluia. Hosanna à toi seul, notre roi, notre Dieu. Tu es tout pour nous. La vie du monde, la joie du monde. Tu es notre force au temps de faiblesse. Tu es la salut du monde. Sois exalté. Nous t'adorons. Merci pour tout. Glorie dans toutes choses. Rendez grâce à l'Éternel. Voilà, nous disons merci pour ces moments. Merci encore pour ce privilège d'être sur tes pieds pour apprendre de toi. Parle à nos cœurs. Ouvre nos yeux de compréhension. Ta parole a dit, l'entrée de sa parole illumine. Donne à chacun de nous illumination spirituelle au nom de Jésus. Et nous gérons de te donner toute la gloire au nom de Jésus. Merci Papa. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où vous me suivez maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et que la présence de Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Bien-aimé. À ce moment ici, il est certain genre de message qu'on devait recevoir pour nous aider, pour nous booster en ce moment que nous sommes en train de traverser partout dans le monde. Dans
Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup qui sont déstabilisés, perturbés à ce moment ici. Oh, Jésus nous avait dit, ne soyez pas troublés. Tout ça, c'est à cause de manque de révélation. Là où il y a la révélation, là où il y a la connaissance, il y aura la paix. Amen. Parce qu'il a dit, vous connaître la vérité vous affranchira. Parce qu'il a dit, vous saurez la vérité, cette vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est très important. Pour nous les chrétiens. Pour nous, le Christ. Et voilà pourquoi j'ai intitulé mon message, héritage de notre racine. Chaque chrétien doit connaître sa racine. Alléluia. Amen. Or, héritage de notre racine. Mais avant de partir loin, Actes chapitre 20, verset 32. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 32. Yeah. Nous lisons la version Darby, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Alors, et maintenant, je vous recommande à qui? À Dieu. À Dieu. Et à la parole de Sa grâce. Qui a le pouvoir de vous faire comment? De vous édifier. Et de vous faire quoi? De vous donner un héritage. Un héritage parmi les saints. Version Louis II. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu a la capacité de nous édifier. Même à ce moment ici, on doit tourner notre regard à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est là où on va trouver la consolation. Parce que tout est dedans. Même à propos des prophéties de fin de temps, même à propos de votre protection et préservation, tout est dedans. Alléluia. Amen. Passion d'arriver à l'objet encore. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, la parole de Dieu est là pour t'édifier. Voilà pourquoi chaque fois qu'on partage la parole, il faut laisser aller toutes les distractions. C'est le moment d'édification. Vous me lisez, il y a une version là-bas. Version Lingala, oui. Verset 32. Oui. Sikoyo na pesibino na maboko ya Nzambe. Maloba ya bolamu na ye ekobanda kobatela bino. Voilà. Maloba ya bolamu na ye ekobanda kobatela bino. Omoni? C'est parole bienveillante pour protéger. Yango tango tofungoli liloba ya Nzambe. Quand on ouvre la parole de Dieu, yeba ke ezangonga moko ya édification. Ezatanga botongi sami. Maloba wana ezana nguya ya kobatela yo. Ces paroles ont la capacité de protéger. Alléluia. Amen. Continuez. Ye azali nanguya ya kolendi sabato nyonso ye apona. Voilà. Po bazwa bomengo oyo abombela bango. Alléluia. Po bazwa
bomengo oyo abombela bango. Pour qu'ils aient l'héritage qu'il les a promis. Bien-aimé, balingami, nous avons un héritage. Tozana libula moko. Yango il faut boyer toyeba héritage na biso. Et ainsi nous devons le connaître. Version le livre verset 32. Et maintenant, je vous confie au Seigneur, à ses soins et à ses merveilleuses paroles, capables de développer votre foi et de vous donner pleinement l'héritage de tous ceux qui sont mis à part pour lui. So, tous ceux qui sont mis à part pour lui a un héritage. Mon fils, tu peux répéter ça encore, c'est très bien. Version le livre, verset 32. Et maintenant, je vous confie au Seigneur, à ses soins et à ses merveilleuses paroles, capables de développer votre foi et de vous donner pleinement l'héritage de tous ceux qui sont mis à part pour lui. La parole est capable de développer votre foi et de vous donner héritage à tous ceux qui mis à part pour lui. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Voilà pourquoi nous parlons de l'héritage de notre racine. C'est très important. Dans Apocalypse 5:5. Dans Apocalypse 5, verset 5. Dis pour moi, s'il te plaît, Apocalypse 5:5. Verset 5 à 7. Apocalypse chapitre 5, verset 5 à 7, version Darby. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voilà. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, de la racine de David. Oui, okay. De la racine de David. A vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Abandi alobi, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Écoute. Aussi longtemps que les livres n'est pas ouvert, les gens vont continuer à pleurer. Amen. Alléluia. Amen. So, la solution pour ne pas pleurer, c'est d'ouvrir les livres, de partager la parole de la vie. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'est l'ouverture de la parole qui termine tout est. Calamité, pleurer, ainsi de suite. Continue. Nous recommençons verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Verset 7. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 9, sautez. Verset 9. Et il chante un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia. Amen. Amen. Tango nanu bafungoli livre te, c'est-à-dire lubazambe te kolela izo continue. Mais dès que fungwami kolela yon so esili. Alobi, et l'un de l'ancien verset 5 me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. C'est-à-dire, aussi longtemps que le livre est ouvert, aussi longtemps que le livre n'est pas ouvert, les gens continueront à se lamenter, mais lorsque la parole de Dieu est révélée, il n'y a plus de pleurs et de lamentations. Alors, la racine de David a vaincu. Mais si ça est David, il y a longaki. On doit connaître notre héritage. Et c'est qu'il y a le boula en aviso de notre racine. C'est très très important. Surtout à ce temps ici. Il faut m'y Tu dois te connaître.
Oza mwana nani? De qui tu es fils? Oza patani, abateni à qui? À qui appartiens-tu? Alléluia. Amen. Ezamutuya. C'est très important. Version Lingala. Merci. 5. Kasi moko nakati ya bambuta mutu alobi na ngai boye. Kolela te. Kolela te. Kolela te. Kolela te. Tala. Moto ya libota ya Yuda oyo babengaka tambo ya Yuda asi alonga. Alléluia. Azali moto ya libota ya Dawidi. Yende azali moto ya kokoka po na kolongola bakache sambo pe kofungola buku. Alléluia. Verset 9. Verset 9. Merci. Bazala ki koyemba nzembo moko ya sika. Yo ozali moto ya kokoka po na kofungola buku oyo. Pe kolongola bakache oyo ezali na ezali kokanga yango. Alléluia. Amen. Bandeko, bien-aimé, alors je vous recommande yango wana tozawana liboso ya liloba ya Zambe o ezana capacité ya ko édifier kondina kondima na biso e yako pesa biso ba droit na biso d'héritage e na yeko yebisa yo connaître votre héritage de la racine. Jésus est notre racine. Et on doit connaître notre héritage de notre racine. Voilà le bien natiki bino na maboko ya Nzambe. Voilà pourquoi moi aussi je vous parle de ces choses par rapport à la parole de Dieu concernant l'héritage de nos racines. Je ne sais pas comment définir. Na ibitende ina limbola yango. Héritage zanini. Qu'est-ce que l'héritage? Droit na yo. C'est ton droit. Amen. Ce qui a été prédestiné pour toi, ça t'appartient. C'est là, ça n'attend que toi. Voilà pourquoi on a besoin de la révélation de la parole. Connaître l'héritage de ta racine, ça t'aidera ce moment-ci. Romains chapitre 11. Verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16, nous lisons la version Darby. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Yoka makamalobi, c'est simple. Lingala, tanga. Lingala, verset 16. Soki moto apesi nzambe lipa ya liboso ya bilanga na ye elakisi te mapa nyonso ezali ya nzambe pe soki misisa ya nzete ezali ya nzambe bita pepe ezali ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Bita pepe ezali ya nzambe. Bien aimé balingami, Jésus est la racine. Tu vois que tanga na place de Wouti na Apocalypse, la racine de David a ouvert le livre. La racine de Tom Missisa David a fongola kibugu. Jésus est notre racine. Yesu ne Missisa na biso. Bisika tu vois. Nous sommes les étapes. Biso ne des habitapes. Alobi awana Romains 11, 16. Il a dit dans Romains 11, 16. Si votre racine est sainte, le branche aussi. Alobi, ce qui me dit ça, c'est qui toko makasi, babita pepe, koza la kitoko. C'est pour dire. Pona koloba. Yesu aza notre racine. Jésus est notre racine. Il est saint. Aza au saint. Yo atanke bisu atanke ba étape. Nous étant que les branches. Si notre racine est sainte, ce qui me nous aussi. Bishop de Zamalam. Amen. Écoute. Yoka. Nazoloba. Héritage de notre racine. Je parle de l'héritage de notre racine. Si votre racine est en bonne santé, toi aussi. Si votre racine est intouchable, toi aussi, moi aussi.
Talanzete. Regarde un arbre. Ce qui est allé étape, ma branche en zété ya manga. Yes. Ce qui est allé fruit ya manga wana, eza tsukale mingi. Yeba ke lokozo mona libanda wana, eza conséquence ya racine, ou ya batama, ase ya mabele. Si tu vois un arbre et que tu manges son fruit, c'est un bon fruit, sache que c'est la résultante des racines. De même, Jésus est notre racine. Yesu ne mitisa na biso. Il faut te manifester pour l'élé na libanda na moki. Nous devons l'exposer publiquement au monde. Amen. Racine na biso akoko pelate. Notre racine peut se faire. Yo pe okoki ko pelate. Non, si tu peux se faire aucune maladie. Moni nzete na fruit oyo omoni ba branche ezo kauka eza malamu te ezo peta mbuma malamu te yeba ke ewuti wapi na racine. Si tu vois un arbre, il donne un mauvais fruit, il a des racines qui sont maigrichantes, sache que ça vient de notre racine est sain. Notre racine est intouchable. Notre racine est puissante. Oh, ma chande belli kapalata. Come on, man of God. Yes. Nous sommes ces branches. Bisson de bitape na ye. Na minito yo. Place à vendre à Batama, yo paye ba ki au Batama na ba fléau yo. Amen. Là où il est intouchable, bien préservé. Toi aussi et moi, nous sommes préservés. Na minute yo, aza intouchable, yeba ki yo pe osa intouchable. En ce moment, il est intouchable, tu l'es aussi. Yango alobi na Romains 11, 16. Il vient de le dire. Si notre racine est sainte, nous aussi. Ceux qui racine abiso dali peto, biso peto dali. Tanga pona nga vashe mosusu papa, botanga vashe nyosu. Version Lingala Monde Nouveau. Lisusu. Ce qui ndambo oyo etalelami lokola mbuma ya liboso ezali Monsanto poto poto mobimba ya farine pe ezali bongo. Ezali bongo. Ce qui Yesu Masia alobi azabomoi. Azabomoi. Nous toza ba racine ye, toza pe bomoi. Bisika bomoi evandi, liwa ekovanda te. Amen. Si Jésus-Christ a dit qu'il est la vie, nous aussi qui sommes ces branches sommes la vie. Et là où il y a la vie, la mort ne peut siéger ensemble. Yango acte 20, 32, alors je vous recommande la parole de Dieu qui a la capacité, la puissance de vous bâtir et de vous donner un héritage à tous ceux qui sont sanctifiés. Dans la Tilanine, acte 20, 32, alors je na pesibino na maboko ya Yahweh pe ya lobana ye oza na makoki ya kobongo la bino pe ya kotia bino pembeni elongo na ba les étapes bitape. Les branches sont des réflecteurs. Amen. De leurs racines. Bitape elakisaka na mozindo oyo misisa ezali siko na tonio. Est-ce que Yesu akoki kozala atteint? Je mérite de vous poser la question, Jésus peut-il être atteint par cette pandémie? Est-ce que le coronavirus peut le toucher? Non. Jamais. Un million, non. Mbalakoto na koto, jamais. Reconnaître. Yo yeba. L'héritage. Liboula. De votre racine. Ya misisa, est-ce que vous dites? Mon racine est vivant. Misisa na ngaza na bomoi. Moi aussi. Ngaipe. Il est en bonne santé. Moi aussi. Il est fort. Moi aussi. Il est saint. Je l'ai. Je suis aussi. C'est qu'il est. Je suis. Nazali. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Il est des choses que toke porte ya nzoto na yo mutema na yo santé na yo mais il faut résister au loba non. Yes. Ma racine est saint. Moi aussi, je le suis. Yes. Et koza na makamususu e ko ko tungisa yo. Yo zungise ne sikanete, misana ngaza peto, nga pe na za peto. Il est fort. Je suis fort. Azama kasi ngai pe. Il est vivant, je suis vivant. Azana bomoi na zape na bomoi. La mort n'a pas le pouvoir sur lui, la mort n'a pas le pouvoir sur moi. Liwe koki ko pusa pe na ete, ngape ko longa ngate. Ma shobra de ya kapata ya. Reconnaître. Yeba. L'héritage. Libula. De votre race. Ya misisa na yo. Les branches. Itape. Reflète seulement. Il a qui sa kaka sa racine. Oh, ça zali. Les fruits qui envoient
seulement reflète la racine. Si la racine est mauvaise, le fruit sera mauvais. Ce qui les étapes seront mauvais. Si la racine, les racines, ou la racine est bon, le fruit aussi est bon. Ce qui est kitoko penza qui est votre racine? Nani nde misisa il s'appelle les rois des rois. Les lions des tribus de Juda. Ngosi yelibota Juda. Emmanuel Dieu avec nous. Emmanuel Zambe Katina Bato. Alléluia. Amen. Reconnaître Yeba l'héritage Liboula de votre racine. Yé Messissana yo. Tangapuna nga version musulmane. Version parole de vie, acte 11, verset 16. Mm-hmm. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, oui, les branches sont à lui aussi. Les branches sont à lui aussi. Mais si ça peut être payé. Tanga pour nanga va se bewana lisusu. Lingala. Eh, France, vers parole de vie. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Alléluia. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Voilà. Si les racines sont à Dieu, les branches aussi. Ce qui me dit ça, c'est allé en Zambé. Bita me paye, ça paye en Zambé. Si le racine est faible, le branche sera faible. Ce qui me dit ça, c'est allé ma cassité. Mais notre racine est forte. Et nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi il dit, ceux qui sont nés de Dieu vaincre le monde. C'est ce qu'il a dit. Et Jean 5:4. Ceux qui sont nés de Dieu vaincre le monde. Nous sommes nés de lui. Il est vainqueur. Nous le sommes aussi. 1 Jean 4:4 dit, grand est celui qui est en toi et celui qui est dans le monde. Si mon racine est grand, ce qui m'enseigne, moi d'ailleurs, Salmon, je suis grand. S'il est fort, je suis fort. Je suis seulement réflecteur. Et ma racine. Il est loin. Je suis loin. Amen. Voilà pourquoi je ne gêne pas pour cela. Prier pour moi. Entrer dans la brousse, dans le montagne. Chercher. Non. Ce qu'il est, je le suis. C'est question de révélation. Est-ce que démon na bango ya pandémie et quoi fait Yesu soki azawa wa siko physique? Est-ce que mon pépé oyo ko ko simba Yesu soko azina mon pépé? Vous devez que je vous choque. Yonde représentant na Yesu. Tu es son représentant. Yonde manifesteur na Yesu. Tu es son ambassadeur ici. Racine et botama et patama. La racine est protégée. Il y a que les étapes, les branches qui on voit. Nous voyons les étapes. Et ces branches, les étapes là. Et ces étapes. Yangonde ezo manifester ba fruit en ce que mon oyo nous était ya manga. Oyo nous était ya orange. Amen. So étape ne ezo manifester ce que la racine porte. Les étapes montrent, développent ce que est la racine. Quand tu vois les étapes, tu vois la racine. Et dès que tu vois des fruits là sur l'étape, tu vois ce que la racine produit ou réflexe. Reconnaître l'héritage de votre racine. Il ne peut pas être atteint toi non plus. Mais si ça ne va pas, et quoi si ma matin, yo pété. Alléluia. Amen. Une autre version. Version message. Alléluia. Amen. Version message. En dessus tout cela, oui, il y a une racine sainte, oui, plantée par Dieu et entretenue par Dieu. Mm. Si la racine principale de l'arbre est sainte, il y a forcément du fruit sacré. Oh non. Ça, c'est partie B encore. Si la racine principale de l'arbre est sainte,
il y a forcément du fruit sacré. Forcément, obligatoirement. De fruits sacrés. Parce que le racin est sacré, c'est normal. Les fruits aussi soit sacré. Soit sacré. Racine nangai akoki kozala attaquete atteinte ndenge moko yo nangai. Ma racine peut être attaquée, ta racine aussi ne peut être attaquée, comme je le suis. Alléluia. Amen. Nani azo pambolama. Qui est béni? Yango, il faut tout porter mentalité de notre racine. Ainsi, nous devons porter la mentalité ou la conscience de notre racine. Debi. Dans 1 Jean 4, 17, Alobi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17, Alobi, Ndenge Azali, Kolone, Bisozana Mokilia. Ma racine est sainte, je le suis. Mais si ça n'a pas été automatique, il est la justice, je suis juste. Je suis son fruit de racines. Je suis réflecteur de racines. Voilà pourquoi il a dit, il n'y a pas de condamnation à tous ceux qui sont en Christ Jésus. Tel il est, automatiquement tel je suis. Je suis automatiquement saint comme je suis là. Et juste. Parce que ma racine est sainte et ma racine est juste. Aussi longtemps que vous avez maintenu connexion. Sa force vient sur toi. Le jour qu'on coupera l'étape. Et katani. On coupe l'étape. Ils ont séparé nos racines. Lorsqu'on les sépare, la racine est de là. Là, tu verras les tables séchées. Ils sont plus un. Ils sont séparés. Mais aussi longtemps que nous sommes ensemble, Bakangami. Yes. C'est que les racines et les tables aussi. Il est saint, je suis saint. Pas à cause de mes œuvres. C'est lui qui me rendra saint. Yenda komisaranga mon santo. Neko. Bien aimé. Na sameli. Je prie. Nangonga oyo ya ba crise. En ces temps de crise. Et loko ekos comme la Yesu te eko comme la yote. Ce que ne peut atteindre Jésus ne t'atteindra pas. Na sameli héritage na yo na Yesu Masia e kangola yo e préserve yo. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ton héritage avec Jésus te préserve et me préserve aussi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Loko yeba solo ko kangola bino. Amen. Mambo singre ninga pola santolina moshalama yatus. Amen. Un autre. Lingala, 1 Jean chapitre 4 verset 17. Natangi lingala. Soki bolingo ya nzambe ezali komona na kati na biso na ndenge ya kokoka. Wana bizaleli na biso awa na mokili ekokokani na oyo ya Kristo. Azali na yango. Boye tozala na molende mokolo nzambe akosambisa bato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Malinga yi. Tel il est. Ndenge yazali. 1 Jean 4 17 tel nous sommes. Ndenge bisope tozali. Il est invisible. Amono nakate. Je suis étudié. C'est lui qui les manifeste ici, visiblement. La racine est invisible. Mais les branches reflètent la racine. Jésus est notre racine. Nous sommes ses branches. Nous sommes ceux qui les manifestent ici. Amen. Avancez au pambola mina révélation. Je pense que tu as été béni par cette révélation. Ma racine n'est pas faible. Mais si ça n'engage pas botaouté, je vais pas être faible. Ça y peine à zamuta botaouté. Ma racine n'est pas maladif. Mais si ça n'engage abela kabela kapapate, je vais pas être maladif. Ndenge ni ningana abela kabela katango noso. Il est en bonne santé lui-même et santé. Yemo konde nzoto kolongono.
Je suis en bonne santé. Parce que je suis connecté avec lui. Voilà pourquoi on doit maintenir la connexion par la parole, par la prière, par la louange et l'adoration. Ce sont les trois choses qui te connectent avec lui. Le branche. Bitape. Réflexe seulement les racines. À la ça. Quand les gens voient les branches, les étapes, automatiquement, ils voient les racines. Tango bato baza komona bitape to mbuma bazo mona misisa mbala moko. Maso brosande kede kede kede. Aussi longtemps que l'enfant est dans la vente de sa mère et ils sont connectés avec cordon ombilical. Tout ce que la maman mange, boit, fait, automatiquement, ça affecte l'enfant. Mwana oyo aza na kati ya libumu mama na ye, nyonso oyo mama na ye aza kolia, aza komela, ye pa aza kozongo na nzela ya singa motolu. Il y a une liaison, connection. Singa moko ekangisi bango eza wana. Soki olongi omona mystère, kanga zolo ya mama, omona ke, soki mama akufi, mwana pe akokufa. Si tu veux essayer ça, tu n'as qu'à bloquer le nez de la maman. Si elle n'arrive plus à respirer, elle qu'elle mourrait, l'enfant aussi mourra dedans parce que l'enfant respire. Ma racine est vivante, je suis vivant. Yes. Ma racine a la vie, j'ai la vie. Yes. Il faut reconnaître l'héritage de votre racine. Et déclarer ça à chaque instant. Praise the name of Jesus. Alléluia. On va lire Tokotanga dans le livre de Romains chapitre 8. Na Romains 8. Voilà. Maso prosende gede bede bede bede. Romains chapitre 8. Verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Verset 16 et 17. Romains 8, verset 16 et 17, version Darby. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Et si nous sommes enfants de Dieu, voilà, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Héritier de Dieu. Écoute. Yoka. Quand on parle d'héritage, tout ce qui appartenait à papa appartenait à les enfants. Même jusqu'à ce qu'on parle de les enfants adoptifs. Ils sont des droits à participer à l'héritage de leur papa adoptif. Quand on partage l'héritage, tous les enfants ont des droits. Reconnaître l'héritage de ta race. Yo, Seigneur, yiba libula ya mosisa na yo. Domination, ça fait partie de notre héritage. Amen. Kokonza, eza pe teni ya libula na biso. Nous sommes nés pour dominer. Tobota mpote to konza. Quand il a créé l'homme. Tangwa sala ki moto. Alobi domine sur la terre et tout ce qui est dedans. Nous avons l'héritage de la domination. Version parole vivante. Ouais. Verset 16. C'est encore l'esprit qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. 17. Enfant de Dieu. Mais alors nous sommes aussi héritiers. Voilà, enfant de Dieu, alors nous sommes aussi héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu. Oh, pas
shalamaya. Natuna yo. Est-ce que Yesu akokoza? Zambi akokoza la atena makamoyo. Est-ce que Dieu peut t'attendre? Oh, nous sommes hérités de Dieu. Hérité de tout ce qui appartenait à Dieu. Il est au-dessus de tout. Toi aussi tu es au-dessus de tout. Tous ceux qui sont nés de Dieu vaincre le monde. Reconnaître votre droit de l'héritage. Verset 16. Quelle version? Version parole vivante. Oui, oui. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. 17. Enfant de Dieu, mais alors nous sommes aussi héritiers. Nous avons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Alléluia. Nous avons même part. Lingala ya solo ndenge mitema na biso ezali kondimete tozali bana ya Nzambe molimo ya Nzambe ye penza azali koloba se ndenge moko 17 pe soki tozali bana tokozwa pe bomengo oyo Nzambe abombela bana na ye. Alléluia. Tokozwa yango na lisanga na Kristo. Voilà. Bamba te lokola tozali komona pasi ndenge moko na ye tokozwa pe lokumu esika moko na ye. Ndenge moko na ye. Daye na menno na minito avant dina esika lokumu. Il est assis dans un trône de gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christo kat nemso kozela ya kembo. Bien-aimé. Olingami. Reconnaître. Yeba. Héritage na yo. Ton héritage. Ya racine. Ya mosisa na yo. Nous avons même pas. Tous en a été ni moko na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Version le livre 16. Oui. Car son Saint-Esprit nous parle au plus profond de nous. Mm. Car son Saint-Esprit nous parle au plus profond de nous et nous atteste que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Nous atteste que nous sommes réellement les enfants de Dieu, ok? Verset 17. Puisque nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses enfants, nous aurons part à ses richesses. Nous aurons part à ses richesses. Maintenant, bana kotanga moko moko ba richesse wana. Cela nan. Comment ça citer ses richesses? Hein? Nous aurons part à ses richesses. Hein? Car tout ce que Dieu donne à son fils Jésus est maintenant aussi à nous. Pataya na makata pala taya tege. Oyoki? Tout ce que Dieu a donné à son fils Jésus est maintenant, now, maintenant aussi, aussi maintenant, actuellement. Bien aimé, reconnaître votre héritage de la racine. Si il est fort, tu es fort. Il est victorieux, tu es victorieux. Il est en bonne santé, tu es en bonne santé. Il est intouchable, tu es intouchable. Il est la vie, tu es vivant. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, pas passé, présent. Awa lobi, nous avons pas maintenant. Verset 17. Puisque nous sommes ses enfants, nous aurons part à ses richesses. Car tout ce que Dieu donne à son fils Jésus est maintenant aussi à nous. Et maintenant aussi à nous. Et maintenant aussi à nous. Les allées, c'est quoi un peu pour la mission? Ma chobra de gabala katabayate gebe de bede bede be. Ndeko. Bien aimé. Na lingi oyeba. J'aimerais que tu comprennes. Ozana héritage malam. Tu as une bonne héritage. Ozana héritage kitoko. Tu as un héritage formidable. Eza droit na yo maintenant. C'est ton droit. Siko. Maintenant, il est en gloire. Na sika siko azana kembo. Il est intouchable. Ba simba kayete. Il est imbaumable. Il a vaincu la mort à la croix. Tellement que quand il a visité les séjours des morts, tous ceux qui étaient morts sont réveillés.
Regarde ton héritage. Il n'est pas faible. Il n'est pas maladif. Il est fort. Il domine. Je prie pour toi qui me suis maintenant. Tout ce qui est dans ton corps qui ne peut se retrouver dans le corps de Jésus est maudit. Maladie, épidémie, et la kelamima be. Que ce soit maladie ou épidémie maudite. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. L'étape seulement reflète sa racine. Étape à la qui sera kaka moussa na yo. Na yo aza maladive te. Ta racine n'est pas maladive. Voilà pourquoi na lobi obi ki sa. Ainsi je déclare tu es guéri. Kango lami. Délivré. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Mashallah praya tege. Yes. Racine na yo aza troublée. Ta racine peut être troublée. Babenge le prince de paix. Il est le prince de paix. Malgré quoi que ce soit autour de toi, yamba kimia na mutema na yo. Eza la nini pene pene na yo reçoit la paix dans ton cœur. Yango alobi ne sois pas troublé. Ta latina alobi bo ninga te bo banga te. Hallelujah. Bo tongi sa mate. Thank you Jesus. Matondo Yesu. Jean 20. Jean chapitre 20. Regarde ce qu'il a dit encore. Yoka oya lobi. Il nous a mettre dans sa place. Nous sommes là en tant que réplicateurs, réflecteurs de sa personne. Votre racine. La racine de David. Jésus, le lion des tribus de Juda. Yesu kosi na libota na Juda. Tanga. Jean 20, 21. Jean chapitre 20, verset 21. Version Darby. Jésus donc leur dit encore: paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce qu'il y a une signification de la phrase? Connais-tu la signification de cette phrase? Vas-y et me réfléchir. Quel est la kisangaï? Vous êtes mes réflecteurs. La kisanga lokola de mon akana kitana tala. Tanga les Jésus. Verset 21, Jean chapitre 20. Ouais, partie B. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Ça dit, va me réfléchir. Vous êtes mes duplicateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela est singulier pour sa vie. Confiance. Comme mon Père m'a envoyé, vous aussi, c'est-à-dire, je n'ai rien retiré. Vous avez tout. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Même mission. Vous avez tous ces capacités. Oh my God. Oh my God. Je prie pour toi. Toutes choses. Qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Et Kaoka. Sèche et disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na Jésus Christ. Thank you Jesus. Lingala. Jean chapitre 20 verset 21 natangi lingala. Oui. Yesu alobi na bango lisusu. Boboto ezala na bino. Ndenge tata atinda kingai. Ngai pe nazali kotinda bino. Ngai pe nazali kotinda bino. Sadi bozo kinde na même force comme moi. Force que moi. Même capacité. Vous allez avec la même force, même capacité. Même puissance. La même puissance. Même habilité. La même habilité. Est-ce que je comprends? Comprends-tu ces choses? Vous avez qu'on reflète, gars. Vous me reflétez. Duplicateur. Boza, oyonga nazali.
Oh, ma chande belle kede liya malakata la babanta la bakoshe kede. Bien aimé. Balingami. Nassambeli pona yo na ngongoyo. Je prie pour toi cet instant. Et longa isa partage. La victoire est en partage. Amen. Parce que racine na yo a longa ki. Car ta racine a vaincu. Automatiquement yo moko longa ki. Toi aussi t'es vainqueur na mbala moko. Yoka. Yoka révélation yo. Écoute cette révélation. Nzete. L'arbre. Et bandaka na racine. Débute par la racine d'abord. Lorsqu'on plante la semence, la racine pousse. Et bani ko pousse. Commence à pousser. Ezo pousse. Pousse. Tala maboko nanga ozo mona yangote. Tu ne vas pas me mettre. Hein? Après, et bani ko pousse. Ça commence à pousser. Ezo pousse. Ça pousse. Moni misapi. Tu as vu? Moni misapi. Le doigt. Et bimi. Ça apparaît. La tête apparaît. Ezo kende. Ça monte. Yoka. Vois. Denge ezo mata pati ya racine. Tel que ça monte à partir de la racine. La pa étape, pa kangami nanzete. Les étapes sont attachées. Aussi longtemps que nzete zo mata e wuti racine. Aussi longtemps que la plante monte venant de la racine. Étape yonso e kangami ibango moko automatiquement bazo mata. Toutes les étapes sont attachées à la branche monte aussi. Sans problème. Toutes les étapes. Et forte. Sans forcer. Monte. Aussi longtemps que la racine n'a pas poussé. Aussi longtemps que la racine pousse. Oh, et kangiba étape. Qui attache les branches. Tel qu'il monte. Étape ezomata. Les étapes montent. Ezomata. Il monte. Ezomata. Ça croise. Reconnaître votre héritage. Ce cela les boulas na yo. De ta racine. Outa mon sisa. Notre racine est fort. Mon sisa na biswaza makasi alenda. Alonga ki Satan na ekulusu. Il a vaincu Satan à la croix. Automatiquement yo mo longi. Dambala mokoto si tu as vaincu. Yo se moni nzete akitaka. As-tu vu un arbre redescendre? Akoma kamukuse. Raccourcir. Non, et matakaka. Il continue de grandir toujours. Jamais ça maigrit. Et kitaka te koma kamukuse matakaka. L'arbre redevient petit jusqu'à et maigrit sa capete. Jamais ne maigrit. Et comme kande munene. Il grossit toujours. Amen. Mon anzete kete komi munene boy après maigrit ezala kate. Tu n'as jamais vu un arbre grossir et puis maigrir. Ou bien et komi mulai après ekie. Tu le vois mesurer comme mukuse. 10 mètres et plus de 7, 8, 5 jusqu'à non. Atabakati et matakali susu. Même si on coupe et poti ba etab mususu. Il ne maigrit pas, mais il monte aussi longtemps que les aussi racines longtemps sont que là. Racines, oh my God. Reconnaître la révélation de votre héritage. Yeba, yeba. Racine. Les poules na yo, kouta mosisa na yo. Alléluia. Amen. Na banzi bopa molami. Je suis convaincu que vous avez été béni. Et loko ekoki ko causa racine na yote eko causa yote. Ce qui ne peut pas sécher la racine, toi la branche ne pourra te sécher. Et loko ekoki ko boma racine na yote eko boma yote. Ce qui ne peut tuer la racine ne te tuera pas. Voilà pourquoi c'est le moment de déclarer ta foi dans la promesse de Dieu. Dans la tine ne otate la kondimano na. De déclarer ta foi dans la révélation de tout ce que Dieu dit que tu es. Ce qui ne peut pas rendre malade ta racine ne te rendra pas malade. Reconnaître l'héritage de ta racine. Reconnais l'héritage de ta racine. Alléluia. Amen. Ce qu'il est, tu es. Oh yaza yosa. Omoni semence. Tu vois la semence, la graine. Babengango semence ya manga. On appelle ça le noyau de la mangue. Mais manga est exact, c'est semence. La mangue est aussi une semence. Manga beauté, semence. La mangue est une semence. Mais tango loniango. Mais lorsque tu la plantes. Nakatia semence wana. Dans cette semence. Manga est ali. Il y a une autre mangue. Nakatia racine na yo liwa ezate. Bomo inde ezali. Dans ta racine y a pas la mort mais y a la vie. Et longo zo boma mokile ko boma yote. Ce qui tue le monde jamais ne te tuera. Dans notre racine, il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie. Ma femme a dit quelque chose dans notre partage. Et elle-même ne sait pas que ça m'a bouleversé.
La femme de l'homme de Dieu a dit une chose dans leur partage et tout ce qui est magasin. Dieu a dit, Zambalobi, créa l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il multiplie sur la terre. C'est ça l'agenda de Dieu. Maintenant, Batumoko, Barras Moko, Luciférien, Batoki Moko, Bango Agenda, Bango Balobi, réduit le monde. Oh, Zambia Lobi, multiplié. Donc, on a Batomoko, Yakanza, Batomabe Balobi, Bakitisa, Tangoya Batonakata Mokili, Bazotel, Mabouzi, Zambia. Tofungo la Messu Bandeko. Ouvrons nos yeux bien. Zambia Lobi, l'homme et la femme, Basse Marie, Bango Balobi, l'homme et l'homme, femme et femme. Et loko yoso Zambia Zolo, Bango Bazosale, le contraire. Dieu a dit que l'homme s'épouse une femme, mais eux ils ont dit que l'homme doit épouser un homme, la femme une femme. Dieu dit soyez féconds et multipliez. Bango balobi, population réduite. Ça n'y a pas ok. Zambé ou ya lobi multiplié a été attali ma belle ou contenu bisonyos. Zamba lobi était beaucoup ma belle pour tous les samokili. Bango balobi bokonda bon la soumingité pendant que Dieu a réservé une grande partie de la terre pour que nous les fils de l'iniquité est en l'œuvre déjà. Qui s'opposait à tout ce qui est Dieu. L'homme et sa femme attacheraient devient un. L'homme et homme et femme et femme. Tout ce qu'ils font, c'est contrecarrer Dieu. Mais toujours là la pongi, toujours yébananouté. Batouana ya kanza nyon sou bazako sale na kote mela nzambe, nzamba lobi motoko sangana mwasi bako koma moko, ba mba bite bongo te, lukan mobile lokola yo, luka mwasa kokana yo bongo balana. Alobi population mondiale doit réduire, parce que tout ça est belé, zambe alobi, multipliez-vous et remplissez la terre. Il a fait la terre pour koka, ata denge ni tozali eko koka biso. Congo yo seulement eko koko leisa mokili. Mongo yo mabele eko leisa mokili. Mais ça l'écoute à Bango parce que leur père, Tata na Bango, mission aye, voler, détruire, égorger. Mais Tata na biso, mission aye, donner la vie. Amen. Yes. Et la vie hein, en abondance. Yamba pomo ina komo na Yesu. Yamba pomo ina komo na Yesu. Liwa eza ote na vie na yo. Amen. Et loko yusu ezo conduit à la mort dans ta vie, eza ote. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui conduit à la mort dans ta vie est maudit. Na komo na Yesu Christo. Je suis convaincu que vous avez été bénis dans vos maisons. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie. Capacité, c'est la vie de Dieu à moi. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai sa vie et sa nature. Comment ça? J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu à moi. Alléluia, j'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie. Et sa capacité, c'est la vie de Dieu. Comment
Sa nature et sa capacité, j'ai la vie de Dieu à moi. Hosanna bomo ya Yesu na kati na yo. Tu as la vie de Dieu en toi. En tant que réflecteur na yo. Lokola ozako la kisa yo. En tant que moko oyo eza branche na yo. Et en l'une des yangwana yamba bomo. Na semboli maboko na ngai. J'étends mes mains parce que je suis les branches de Jésus-Christ de Nazareth, qui est ma racine. Il est la vie, j'ai la vie. Et je vous communique cette vie-là. La vie de Dieu reçoit ça et traverse l'écran. Écoute dans ton corps. Je te communique la vie. Parce que comme le Père lui a envoyé, il m'a aussi envoyé. Reçois la vie. La vie du monde. C'est lui Jésus. Reçois. Parce que ce n'est plus moi d'ailleurs qui vive. C'est Jésus qui vit à travers les morts. Je dis reçois la vie. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Nous Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas l'héritage de votre racine. N'oublie pas l'héritage de votre racine. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage. Une vidéo. Envoie-nous une vidéo. WhatsApp. Par WhatsApp. Partagez témoignage. Partage-nous. Pour te balancer en haut et aiguiser. Afin que nous les balançons et booster. Et que ça booste la foi de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude. Mercredi à 10h. Et puis par rédivision. Vendredi à 17h. Vendredi 17h. Et puis, barre de vision. Dimanche à 7h. Dimanche, tongo à 7h. Et puis, barre de vision. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Le temps de témoignage. Pétela Yesu Maboko Makasi. Bonjour papa, ezanga sœur Arlène Oligo, nafandi na commune na Kalam, quartier Matongé, avenue Lokolama. Na pesi nzambe na merci na oya salelinga. Le samedi na mbule beta ki makas vraiment na kina victoire na koi na terrasse na tuta na libanga na genou et vu manga vraiment makas na douleur mona koi kotambola tina koi kotambola te lo na zoni vraiment ba meminga komema. Passe ma casse na koka kite. Et comme dimanche na lundi kito a papa na tongo, papa zo sambela, papa zo yemba nzimbo asika wana vraiment na koka kite. Na koka Silas, prie, chante le Saint-Esprit descendit. Paul et Silas, glory to God, come on. Le Saint-Esprit Paul et Silas, priez, alléluia, chantez, glory to God, le Saint-Esprit descendit. Nakoka kita na papa lobi zala connecté molimo sante zo kitela nguye zo kotela na santi nguya moko e kotelinga vraiment pas sinos na zala ki nguye sili nguye kotelinga na koi na senguya makasi pas sinos zala ki e sili e sina telemi vraiment na tamboli malamu yango na pesi nzambe ya Dao Samuel merci na onyoso Asalpena onyoso azo batelanga. Merci vraiment papa. Merci papa. Nzambe abatelo makasi vraiment. Abagiso su ya mingi vraiment. Na lingio to lingio vraiment. Nzambe abatelo papa na ngai. Merci vraiment. Merci papa. Tikana prophétiser na vina. Na sakola na boya. Bista balinda bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ekopo mayote. Eloko epomi mama ekopo mayote. Ya ye. Les jours de chaque action. Bon pour vous. Tu vas savoir. Akoyeba ike.
Est-ce que la foi est spirituelle? Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenyewa.